trace de fer, dont l'âme, comme une fournaise, a de son feu bronzé la chair. Ses enfants naissent sur la paille, pour palais, ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille, et bien j'en suis. Ce n'est pas le pied du bagne, c'est le rythme dont la main, par la pluie ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est la mère enfant qui travaille, les jours et quelquefois la nuit. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui s'en soupire, qui me rêve, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est la crédit qui ferraille, qui loge et qui l'a des amis. C'est la canaille, et bien j'en suis. Dans la même prison, le même mouvement, accroupi sous les dents d'une machine sombre, monstrueux qui marche, on ne sait quoi, dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. On voit des petites filles de 12 ans s'offrir chaque soir dans la rue, qui n'ont pas de moyens de subsistance en dehors de la prostitution. Oui, la France nourrit annuellement environ 50 000 enfants trouvés. André Léon, autrice, journaliste, militante. J'ai vu de pauvres femmes travaillant 12 et 14 heures par jour pour un salaire dérisoire dans des ateliers malsains où elles sont entassées par troupeaux. Ni l'air, ni la lumière, ni le soleil ne pénètrent jamais. Réduite à un salaire de misère, on force la femme à se vendre dans le mariage, en échange d'une protection souvent illusoire.
des unions temporaires, on en a fait un objet. Né pour le dévouement, annexe, accessoire de l'être principal, en lui ordonnant la soumission, en la privant par conséquent d'initiative et de responsabilité, on en a fait un objet. On en a fait un objet. En abaissant pour elle systématiquement le niveau de l'instruction, on l'a contrainte de rester intellectuellement inférieure, de descendre du rôle de sujet à celui d'objet. La soumission. La soumission. Quelle est la récompense d'une de ces femmes anxieuses? Elle attend son mari qui s'est attardé dans le cabaret voisin de la maison et ne rentre que lorsque son argent est aux trois quarts dépensé. Elle, l'épouse, comme le chien de berger, garde le troupeau. Nombre de femmes révoltées se sont emparées de cette lutte sans la demander. Cela fait 80 ans. 80 ans se sont écoulés depuis l'inauguration du droit humain, et c'est encore une nouveauté presque bizarre que de revendiquer la justice pour la femme. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ça ferait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Louise Michel. Bravo! Bravo! Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. C'est toujours l'autorité chargée de maintenir les populations laborieuses dans le respect de la loi établie au profit de quelques-uns. Les travailleurs restent toujours à la merci des détenteurs du capital. Les gouvernements comprennent mieux que les prolétaires la puissance énorme que pourrait avoir une véritable internationale. On ne forme pas l'esprit d'un peuple en quelques jours, surtout un peuple foncièrement conservateur comme le peuple français. Le peuple ne pourra s'entendre qu'en se groupant en de grandes familles ou petites communes qu'il gouvernera par lui-même aisément dans la justice. Le 18 septembre 1864, à Londres, a lieu un meeting. Tous les délégués de toutes les parties du monde se sont réunis pour reconnaître la détresse générale des travailleurs comme une cause entrant dans la commune des déshérités. Jusqu'alors, nous avons été malmenés, exploités à merci parce que nous étions divisés et sans force. Maintenant, on commence à compter avec nous. Nous pouvons déjà nous défendre. C'est l'époque de la résistance. L'Empire est en pleine décrépitude. Aucune classe de la société, aucune catégorie de citoyens ne croit plus à ce gouvernement tant qu'il est en est arrivé là. Il ne faut plus qu'un souffle, qu'une manifestation qui réunisse toutes les parties de la population pour le faire tomber. Et nous, enthousiastes, nous rêvons la révolution sociale dans la plus haute acceptation d'idées qui soit possible. Moi, Félicien, dit 30 sous, je vous affirme qu'il est acquis qu'un garde national apprend en un jour ce qu'un soldat, un piou-piou, n'apprend pas en un mois. La garde nationale, c'est l'expression du peuple en armes. Il y a chez le garde national un niveau moral supérieur dont le bénéfice se retrouve partout. Le garde national fait ce qu'il fait, on comprend l'importance, il apporte sa volonté personnelle. Il a le courage d'un homme libre qui fait savoir le sacrifice de sa vie à une idée, à une conviction, à un devoir. Le 2 septembre 1870, c'est la débâcle. L'empereur Napoléon III capitule face aux Prussiens à Sedan et abdique. Le 4 septembre,
c'est la proclamation de la Troisième République. Vive la République! Vive la République! Je vous plains,
Prussien, peuple allemand. Oublions les crimes militaires que les despotes nous font commettre les uns contre les autres. Proclamons la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples. Ouais. Le gouverneur de Paris arrête. Article 1er. Les gardes nationaux doivent être rentrés à 10 heures au plus tard au domicile qui leur est assigné. Tout garde national qui sera rencontré dans la rue et qui ne sera pas muni d'une permission sera arrêté et puni disciplinairement. Le canon sonne. Le moment suprême est arrivé. Depuis 1789, Paris est debout et en haleine. Tous, sans distinction de classe ni de parti, vous avez saisi vos armes pour sauver à la fois la ville, la France et la République. Il y a tous notre territoire, ville, pierre de notre forêt. Restons donc unis, serrés les uns contre les autres. Prêts à monter au feu, et montrons-nous les dignes fils de ceux qui, dans les plus effroyables périls, n'ont jamais désespéré de la patrie. Vive en état ! Vive en état ! Arrêtez du préfet de police, général Crochu. À partir d'aujourd'hui, 20 septembre, tous les débits de boissons, café et restaurants devront être clos à 10h30 du soir. L'émancipation du citoyen, l'affranchissement des peuples.